Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Salut Étienne. Salut Mathis. Ravi de te retrouver également. Et moi aussi. Bienvenue dans la saison 2 de Rail One qui est maintenant lancée. Nous sommes ici à la gare de Neuchâtel où 4 compagnies transitent ici. Vous avez certainement pris déjà l'une d'elles. Et on verra ça dans la séquence matériel roulant qui fait partie d'ailleurs de notre sommaire. Le voici. Comme en saison 1, la partie historique va ouvrir l'émission. Vous verrez notamment que les peintures du hall de la gare datent de plusieurs dizaines d'années. La rénovation des quais est pratiquement terminée. Le principal changement est pour les personnes à mobilité réduite. On vous explique tout sur ces plateformes. Jordan, aspirant mécanicien, a accepté de nous présenter le plan de voie de la gare. Nous en profiterons ensuite pour découvrir le matériel qui arpente quotidiennement ce tracé. Neuchâtel a donné son nom au lac. Nous vous présenterons les paysages à voir ainsi que les lieux à visiter, trajet que j'ai personnellement effectué pour vous. Tout est prêt, Mathis ? On ne peut mieux, Étienne. Rail One, épisode 1, c'est parti. Au cours de son histoire, la gare de Neuchâtel a été reconstruite 3 fois. Aujourd'hui, des améliorations sont encore en cours, notamment au niveau des quais. En 1859, pourquoi est-ce qu'elle a été installée ici? C'est une des questions à laquelle Mathis Comte et Tim Chanet répondent. C'est après de longs débats entre les compagnies ferroviaires franco-suisses et jurassiennes que le Conseil d'État décida en 1852 de construire la future gare de Neuchâtel sur les hauts de la ville. Étant le point de convergence entre 3 axes ferroviaires importants, il fut difficile de choisir entre une gare sur les rives du lac ou, comme choisi, sur les hauteurs. Bien que modeste, le premier bâtiment fut construit et mis en service en 1859 et desservait les lignes reliant Yverdon-les-Bains, Le Londron, Pontarlier, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. Durant les années 80, la compagnie suisse occidentale et Saint-Plon décidèrent de remplacer les installations devenues trop exiguës par une nouvelle gare. Afin d'aménager un espace-plat suffisant pour sa construction, il fut nécessaire de niveler la colline du Crête-Taconnais, ce qui représentait un volume d'un peu plus de 200 000 m3 de roches. Les déblais servirent notamment au comblement du bord du lac afin de pouvoir y construire le quartier des Beaux-Arts à la fin du 19e siècle. La gare était bien plus imposante que la précédente et résultait d'un concours de l'architecte argovien Adolphe Richner. Malheureusement, ses façades en molasse de Fribourg suscitèrent la colère des habitants et des entreprises de construction de la région, peu habituées à voir le calcaire jaune local concurrencé par d'autres matériaux. On peut également noter que ce fut durant les 53 années d'existence du bâtiment que la ligne directe Neuchâtel-Berne vit le jour en 1901. En effet, la deuxième gare de Neuchâtel n'aura pas vécu longtemps. Étant donné l'augmentation importante du nombre de voyageurs, ainsi que son électrification en 1927, il fut rapidement décidé qu'il était nécessaire qu'un nouveau bâtiment plus grand soit construit. On confia alors cette tâche à l'architecte Fernand Decker à la suite d'un concours d'architecture. En parallèle, les CRF décidèrent, après un concours, de laisser le soin enfin Georges Dessousserie de décorer en haut de magnifiques peintures que l'on peut encore voir aujourd'hui. C'est donc en 1936 que l'on inaugura la troisième et actuelle gare de Neuchâtel, qui reliait désormais les gares de Yverdon, Bienne, Olten, Pontarlier, Berne et La Chaux-de-Fonds. Faisons maintenant un bond de 50 ans dans l'histoire, car l'année 1987 marqua une date importante pour la gare. En effet, cette année-là, la gare de Neuchâtel voyait pour la première fois de son histoire un TGV s'arrêter à quai.
La ligne Berne-Neuchâtel-Pontarlier-Paris était née et l'on pouvait désormais rejoindre les deux capitales avec un seul et même train. Malheureusement, la ligne fut supprimée avec grand regret fin 2013. Début 2002, l'exposition nationale approchait et la ville de Neuchâtel était l'une des organisatrices de cette dernière. Pour l'occasion, la gare avait été rénovée, les quais surélevés et l'on créa également une nouvelle sortie à la gare. On construisit également un funiculaire reliant directement la gare à l'université, là où se trouvait le site neuchâtelois de l'exposition nationale. Cette séquence ainsi que les autres sont à retrouver sur raiwan.ch. Découvrez également en avant-première le programme des prochaines émissions. Longtemps non conformes, les quais de la gare de Neuchâtel sont en cours de rénovation jusqu'au mois de novembre 2021. Cela permettra notamment aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux rames plus facilement. Séquence installation avec Mathis Cour. Les trains s'arrêtent en gare, les voyageurs y montent, mais par où ? Les premières gares, même de grandes gares actuelles, comme Lausanne, ont été construites sans quai. Les voies étaient posées à même le sol et le voyageur grimpait grâce aux rambardes et aux marchepieds disposés autour de la porte. Pour plus de confort, il a été décidé d'édifier des quais à la hauteur des seuils des portes des trains. Mais ce n'est pas le seul type de quai. Il existe aussi des quais pour les marchandises, des quais hauts. Ils étaient disposés d'un ou deux côtés d'une halle aux marchandises et était conçu pour être à la hauteur des wagons de marchandises. Ces quais et les halles sont désormais inutilisés pour la plupart. Mais un quai n'est pas juste un tas de béton. On y retrouve une marquise, des candélabres, les bordures de quai représentées par ces traces blanches, les panneaux d'affichage, les horloges et beaucoup d'autres choses. Sur les candélabres sont marqués le nom de la gare sur fond bleu. Les écrans accrochés à la marquise affichent le prochain départ de la voie concernée. Justement, le train est sûr d'arriver sur la bonne voie, mais si le quai est plus long que son train, où doit-il s'arrêter ? Lorsqu'il entre en gare, l'annonce se déclenche et donne les secteurs des places de première et seconde classe qui sont repérés avec ces panneaux juxtaposés avec le numéro de voie. Pour qu'il soit bien centré par rapport aux accès, et que la composition annoncée soit respectée, et on a disposé des panneaux pentagonaux avec un chiffre dessus. Ce chiffre correspond à la longueur du train. De cette manière, le train, par exemple, de 200 mètres, s'arrêtera devant le panneau pentagonal où il est marqué 2. Un train de 100 mètres avec un panneau pentagonal où il est marqué 1. Ces panneaux peuvent être mis côte à côte au même endroit ou bien disposés plus ou moins loin par rapport au quai. Les secteurs sont particulièrement utiles pour indiquer un train à tranches multiples. Ce sont des trains qui ont une partie de leur composition qui va dans une direction et une autre partie dans une autre. Par exemple, la S5 pour Berne. Elle part de Berne, est séparée à Carters, une part à Mourten et l'autre part ici à Neuchâtel. Vous le voyez derrière moi, ce quai est tout neuf. Il a en fait été rehaussé pour que, à l'horizon 2024, une personne à mobilité réduite en Suisse puisse accéder à tous les bus et à tous les trains facilement. Nous sommes maintenant en interview, la première de l'année donc, avec Jordan. Salut. Salut. Bienvenue dans Raiwan. Merci. Tu peux nous parler un petit peu de la gare de Neuchâtel et notamment son plan de voie pour commencer avec ses différents faisceaux. Voilà, donc la gare de Neuchâtel est relativement petite par rapport à une autre gare que vous avez pu présenter comme Lausanne ou Genève. Mais elle est quand même divisée en six faisceaux de voie, de Alpha à Foxtrot.
donc AAF. Oui. Donc la voie, enfin le faisceau de voie qui est le plus principalement utilisé par les voyageurs, c'est le faisceau A, Alpha, parce que c'est celui qui contient les voies à quai pour les passagers. Mais c'est également le faisceau qui contient les voies d'entrée et de sortie de la gare, direction Lausanne, Vienne, pour la double voie, et aussi la simple voie direction Fribourg et Berne. Donc, très étendu. Voilà. Ensuite, niveau faisceau, on a le faisceau B, Bravo, qui se trouve juste derrière nous, oui, qui est composé de 5 voies, qui sont principalement des voies de garage pour des navettes voyageurs, okay, comme le week-end ou la nuit, principalement. Voilà. Oui. Et ensuite, on a un faisceau Charlie, qui est composé de 3 voies, Charlie 4, Charlie 5 et Charlie 14, qui sont des voies destinées principalement aux trains de chantier. Ensuite, on a le faisceau D, qui est plus communément appelé chez nous le triage, qui est un faisceau de 7 voies, donc delta 1 à delta 7 avec 2 voies en butoir. D'accord. Qui est principalement utilisé aussi pour les trains navettes quand on va garer des trains navettes, mais également pour des trains de chantier ou des trains marchandises en attente. Donc c'est celui qu'on voit là-bas, voilà, avec les différents trains de chantier. Voilà. Ensuite, on a encore le faisceau E, faisceau Echo, qui est composé de quelques voies relativement courtes qui sont principalement là pour effectuer des manœuvres qui prennent la place ou pour laisser des tranches de wagons inutilisées. Mm-hmm. Et pour finir, le faisceau F, Foxtrot, qui est tout à l'est de la gare, qui est principalement utilisé par le CFF Infrastructure, qui s'occupe des travaux en gare, de l'entretien de la voie. Et donc c'est eux qui s'occupent de ce faisceau-là. Tu es aspirant mécanicien, oui. Tu peux nous parler un petit peu de la conduite alors qu'on a une domino qui passe juste en dessous, voilà, de nous. Justement, on en viendra peut-être après. Voilà. Au niveau de la conduite, comment ça se passe? Alors la gare de Neuchâtel est assez simple niveau conduite. Côté Lausanne, on aura un seul signal d'entrée et de sortie. Oui. Alors que côté Bienne, on aura un signal de tronçon en plus. Et depuis la voie 1 et 2, on aura deux signaux de tronçon de sortie. Alors, on a aussi également un seuil de vitesse étagé en gare de Neuchâtel pour la sortie direction Bienne, qui passe de 80 km/h de la première aiguille côté Lausanne. Au kilomètre 75,9. Excusez-moi. et ensuite, le seuil de vitesse passe à 110 km/h jusqu'à la dernière aiguille, et ensuite on passe à 120 en pleine voie. D'accord. Justement, au niveau de la conduite du matériel roulant, tu as une préférence ? Alors sur les matériels roulants que je conduis, j'ai une large préférence pour la Domino parce que c'est un véhicule qui est encore relativement ancien. Enfin, c'est un des seuls véhicules qui reste finalement des années 1990 parce que la conduite, elle est plus... Enfin, c'est vraiment le mécanicien qui conduit et pas la machine, pas l'électronique de commande finalement. Donc on a vraiment le frein à air, le frein électrique à gérer nous-mêmes en fonction des conditions d'adhérence et autres. Alors que si on prend l'exemple d'une Flirt, on aura plus l'électronique de commande qui va assister le mécanicien. Et là, c'est moins intéressant. Il y a moins de, ça pardonne plus qu'une domino en cas de mauvaises conditions d'adhérence, par exemple. Super, bah merci beaucoup pour ta participation. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et on va justement parler du matériel roulant. Et pour suivre toute l'actualité de Rail One, rendez-vous sur notre page Facebook ou Instagram, RailOne-off. Vous êtes peut-être un habitué de la gare de Neuchâtel. Vous prenez régulièrement des rames qui la traversent, TPF, Transen, BLS ou CFF. Passage au crible de tout ce matériel roulant avec Arthur Kunzi. Près de 5 rames différentes de 4 compagnies Transen et la RABE 523. Pour les TPF, ce sont la RABE 527. Quoi qu'il en soit, ce matériel a une masse de 120 tonnes. Et contrairement à l'idée reçue qu'ils font des petits trajets, donc ils ne sont pas très rapides, les rames peuvent aller jusqu'à 160 km/h. Comme beaucoup de trains suisses, elles roulent sous les 15 000 volts. Le nombre de places oscille entre les 168 et 181 places pour une longueur de 74 mètres hors tampon. Terminons par la BLS avec leur Nina. Comme il est coutume chez la BLS, la rame 13 est baptisée Nino. Construite par Aston Bombardier, elles sont composées de 3 ou 4 éléments pour une longueur entre 47,74 mètres à 61,90 mètres. Malgré leur construction à la fin des années 90,
pour certaines, elles ont été révisées et transformées en 2016 et 2018 pour disposer aujourd'hui d'un attelage 100% automatique. Nom technique RAPE 525. Vous remarquerez qu'il manque le D par rapport au Domino. En effet, les Nina ne disposent pas de fourgon à bagages. Retrouvez les significations des autres lettres dans nos émissions précédentes. Concernant les Mika, nous les aborderons dans une prochaine émission autour de la BLS. Vous avez certainement déjà pris le train entre Yverdon et Neuchâtel, passant derrière une partie de la ville avec les collines qui la rendent pentue et intéressante. Chronique découverte où les paysages vous sont déroulés pour le plus grand plaisir de vos yeux avec Mathis Châtillon. Là, nous sommes dans le train. Et ici, nous sommes à la gare de Neuchâtel. Et c'est parti pour un petit voyage à travers la ville. Commençons par descendre au bas de la ville en empruntant la belle ruelle Vaucher avec une belle fresque, tout cela pour arriver au casino de Neuchâtel situé juste à l'entrée du jardin anglais. Magnifique étendue verte où se promener rappelle la campagne. D'ici, nous pouvons voir la célèbre place Puri, une place digne d'être une grande place accueillant la fête des vendanges notamment. Et ce qui est bien, c'est que nous sommes directement au bord de l'eau, ce qui nous permet également d'admirer le magnifique bateau à vapeur Neuchâtel, les cabanons colorés et l'hôtel Beaulac. En fait, ce qui est bien à Neuchâtel, c'est qu'il y a plein de trucs très sympas à voir et à faire, comme courir sur la passerelle de l'Utopie pour faire un selfie ou pour tout simplement voir le magnifique paysage. Un peu plus loin, sur l'esplanade du Mont Blanc, on peut voir les magnifiques arrangements de fleurs, mais également la banque neuchâteloise qui a été reproduite au Swiss Vapeur Park. Sans oublier le selfie encore une fois, pour bien dire qu'un jour, on était à Neuchâtel. Maintenant, retournons au sec et entrons dans cette magnifique rue du Trésor, bien remplie de marques, c'est pourquoi on n'a pas filmé, mais sans autant louper cette magnifique vue sur la fontaine du Banneret et ses bâtiments la surplombant, mais surtout sur la tour de Diesse. Si l'on suit la petite route montante, on arrive au château, d'où la vue est tout à fait splendide. Juste à côté, la collégiale et son cloître. Un peu plus bas, la tour des prisons. Le pont totalement atypique reliant la collégiale au jardin du prince. Maintenant, allons au musée, mais lequel visiter ? Le musée d'histoire naturelle peut vous intéresser si vous aimez la nature d'hier et d'aujourd'hui. Le musée d'ethnographie axé sur l'Afrique, là malheureusement j'ai pas de vidéo, et puis le musée d'art et d'histoire au bord du lac. D'ailleurs, sur le chemin, vous pouvez passer par la rue des Chabannes pour pouvoir s'amuser en marchant, comme moi, et pour voir des endroits franchement sympas. Bien sûr, il y a d'autres musées, mais il y a aussi les Jeunes Rives et la place du 12 septembre, notamment connue grâce à l'exposition nationale suisse de 2002, l'Expo 02. Et d'ailleurs, elle devrait être réaménagée afin de la rendre plus verte. Il y a aussi l'église rouge, autrement dit la basilique Notre-Dame de l'Assomption,
Elle n'est pas rouge car quelqu'un voulait qu'elle soit rouge, mais elle est rouge car la technique de construction est originale. Il s'agit d'une pierre artificielle faite à partir de ciment additionné de chaux et de gravier. Bref, le reste de la ville, je pense que vous l'avez remarqué, est très jaune, puisque les bâtiments ont été fabriqués à partir de la pierre d'Autrive, qui est elle-même jaune. Pour finir, on va prendre le funambule, qui est un funiculaire fabriqué également dans le cadre de l'Expo 02. Le funambule relie l'université à la gare en seulement 3 minutes. C'est toujours un voyage assez ludique et impressionnant. Ce sont les rames Maxime et Léa qui vous emmènent sur ce trajet. En tout cas ici, on dit au revoir à Léa et pourquoi pas à bientôt. Nous arrivons au terme de cette émission consacrée à la gare de Neuchâtel. La prochaine sera consacrée au BLS avec leur ligne Berne-La Chaux-de-Fonds et notamment la gare de Kerzers. Cette année, Rail One Express est plus consacré à l'actualité ferroviaire par rapport à nos émissions traditionnelles de présentation de lignes et de gares. Nous étions à la conférence de presse du 24 août à Renan pour le lancement des travaux du futur tramway lausannois. Vous retrouverez la conseillère d'État vaudoise, Nouria Gorité, ainsi qu'un résumé de la journée festive du 28 août. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à dans 2 semaines. À bientôt. Salut.